Bonjour à tous, salut dans cette nouvelle vidéo de Yuliki. On se retrouve aujourd'hui les gens pour un pack opening, mais alors là... Incroyable. Personne s'en doutait, hein. Non, même pas nous pas. Les gens. On a acheté ça sur internet parce qu'on a vu ça sur... notre chaîne, sur TikTok. Ouais, non, mais on est des victimes de TikTok. En fait, on a tendance à acheter ce qu'on voit sur TikTok. Ouais. Bah parce que ça donne envie, tu sais, les gens ils se rêvent, tu dis oh bah ça va être stylé du coup. Eh bien c'est les mini brands de Zuru. Alors c'est quoi? C'est des miniatures de produits à manger de marque. Voilà, pas donc, qu'alimentaire d'ailleurs. Si, dans... c'est qu'alimentaire. C'est beaucoup alimentaire, ouais, il me semble. Vrai. Je sais pas trop s'il y a autre chose, mais il y a des Mentos, il y a des Babybel, enfin c'est n'importe quoi. Mais en miniature, et en plus il y en a des dorés et tout. Mignon. C'est à collectionner en fait dans un truc. Normalement, si vous suivez TikTok, vous connaissez. Je pense. Ouais. Dans un truc, en fait, ça se sépare en 5 et vous avez 5 surprises. Voilà. Et à chaque fois, t'as de la chance d'avoir des trucs en or, des trucs en... qui brillent dans le noir, qui sont plus rares, il y en a qui sont communs. Il y a toute une liste, on va regarder ça de toute façon. En tout cas, vous pouvez hésiter à mettre un maximum de pouces bleus dans les commentaires. On a préparé notre petit qui a dit. Pour tous ceux qui s'en souviennent, on avait alors là, ça non, parce que là, ça parle aux vrais fans. Là, parce qu'en fait, c'est ceux qui nous suivent sur Instagram et qui regardent nos stories. Oui, c'est vrai. En fait, il y a une story où Kim, elle faisait des petites courses avec un petit caddie dans un magasin coréen. Et ben c'est ça, le caddie c'était 3 balles, tu vois, du coup on en a acheté un. Parce que c'est stylé. Et non, ça se reclipse. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est le remplir ce caddie. Et il est en métal et on va le remplir. En fait, on va faire nos mini-courses. Bah c'est ça en fait, donc je sais pas comment on va ouvrir, ça dépendra de ce qu'on a dedans, comment ça se passe et tout. Il y en a 12, on a pris un présentoir parce qu'en fait... ça se vend pas en France, à part dans certains magasins, mais c'est très cher. On a payé moins cher parce qu'on a pris sur un site, enfin sur un anglais. Oui. Du coup, au Royaume-Uni, c'est sorti. Je sais pas si en France, t'as trop le droit de faire des miniatures de bouffe comme ça et de vendre dans les magasins de jouets. Ouais, je pense pas. En fait, on en a trouvé des mini trucs de course en France, mais sauf qu'il y a pas de marque dessus. Voilà. Et en fait, ce qui est stylé, c'est les marques, parce qu'en fait, c'est ce que t'achètes toi en magasin, donc t'as envie de voir ce que t'achètes. Exactement ça, les gens. Et alors, du coup, pour l'occasion, on a changé de tapis. Oui, on a mis un petit tapis rose. Regardez, il est magnifique, il est rose. Et donc le caddie, voilà, notre petit caddie, ça n'a rien à voir, c'est un caddie qu'on avait. Et donc, pour tous ceux qui veulent savoir, on l'a acheté, comme a dit Guillaume, en Angleterre. Bah, de toute façon, sur les sites d'eBay... Faites attention, parce que maintenant, comme l'Angleterre n'est plus en Union Européenne, il y a des taxes. On a payé 20 balles de taxes. Voilà, donc c'est comme quand vous achetez aux États-Unis ou au Japon, maintenant il y a des taxes. Regardez, c'est trop bien, c'est tout ce qu'on peut avoir. Bah, de toute façon, on va en ouvrir un. Oui, normalement, il y a on n'en a jamais ouvert, les gens. Non, on voulait se réserver sur vidéo, donc faut faire péter avant de jouer. Faut s'abonner. Ça va être 10 jours qu'ils sont chez nous, on a pas de Faut s'abonner à la chaîne, les gens, parce que pour arriver au million d'abonnés cette année, ça serait énorme. Vous le savez, on est tous hype d'arriver à ce chiffre-là. Bah, surtout nous. Vous et nous, mais surtout nous. Normalement, c'est comme une orange, ça se décuple en quartier. Vous savez qu'on aime bien les pack openings. Oui. Bah, on avait fait Treasure X, on avait fait. Bah, on avait fait les Kinder Mario, les Kinder Mario. Animal Crossing, on avait fait des cartes Pokémon, on avait fait. Les mini figurines, des gold, les box. Ouais, non, mais. C'est infini, les trucs à ouvrir, c'est tellement satisfaisant que. Alors là, j'ai enlevé, mais il y a encore autre chose. Non, mais il est bien protégé, le truc, hein. Pour pas que tu le piques. Oh ouais. Ah, c'est joli. C'est trop mignon. Donc, c'est un petit truc en gomme. C'est trop mignon. Voilà, c'est un petit truc en gomme-gomme. Donc, sur le présentoir, si vous avez pas vu, il y a déjà 3 exemples. Il y a des Mentos, des Airheads et des Spam. De toute façon, on va ouvrir. Normalement, c'est des marques américaines, hein, donc... Ah, j'en ai ouvert un, non? Celui-là, j'ai un peu ouvert. C'est des marques américaines, donc c'est vrai qu'on les connaît pas toutes. Oui, il y a des trucs que... On vous dira, sinon on les connaît, et faut nous dire si vous les connaissez également. Est-ce qu'on ouvre la première, du coup? Vas-y. Ah, c'est quoi? C'est du poulet. C'est une petite boîte, donc c'est une marque qui existe vraiment, je pense. Bah oui, c'est sûr. De poulet pané, mais celui-là on l'a pas, hein, oh, parce que c'est mignon. Ouais. Donc l'objectif, ça va être de collectionner toute la série, parce que il y en a plus de 100. Oui, mais ça va, on va avoir du mal à collectionner avec que ça. Mais donc on va voir ce qu'on a, on va voir ce qu'on a dans chaque truc. Ça, celui-là, il s'ouvre aussi. Oh, regardez. C'est trop mignon, c'est du poivre. Ah non, c'est du piment. Ah oui, c'est du piment. C'est du red pepper. Ah, c'est trop mignon. Du coup, on dirait vraiment que c'est sous. C'est vraiment les contenants, en fait. Enfin, imitation, il y aurait une vraie imitation des contenants. Ouais, c'est bon. Vas-y, regarde, tiens, on dirait du verre. Ah, j'avoue. C'est mignon, quoi. C'est des miniatures. Ah, regardez, après, on fait nos courses. Et donc, on met... C'est pas taille réelle, hein. Ça là-dedans. Non, parce que le caddie est un peu petit, du coup. Ou le pot est un peu gros. Ou le pot est un peu gros, je dirais. C'est pas mal. Faut qu'on ait nous des marques qu'on connaît, parce que, en vrai, les gens, on a vu des trucs trop stylés. Mais il n'y a pas un fascicule, normalement? Faut croire que non. Bon, je vais pour voir ça. Ah! Oh! DRS! C'est trop bien! À la cerise! Trop oh, mais il y a un truc dedans! Regarde tout, c'est comme s'il y avait un truc dedans! Oh, c'est trop bien! C'est comme s'il y avait le bonbon dedans, en fait! Oh, mais tu les manges après! Alors, bah, je pense que dedans c'est du papier. Oui, mais, je sais.
On a le fascicule. Okay. Donc, il y en a un des cinq qui a le fascicule. Donc il y a un paquet de trucs. Oh la vache, il y en a plein. Et donc le best, c'est ça. Ah oui, il y a le pèse, il y a le babybel en or, il y a la moutarde French moutarde. C'est génial, ça. Les manteaux, un autre pèse, et ça, je sais pas ce que c'est au milieu. Blue Diamond, je sais il pas. Il y a Glow in the Dark. Avec des trucs, des gâteaux. Avec. Ah, Sansodine, le dentifrice. Oh non, c'est une blague. Sansodine. Donc on voit plein de marques. Ah, la vache qui rit. Ah, génial. Il faut qu'on ait la vache qui rit en métallique. C'est quoi, c'est des Pringles? C'est des Pringles. Ah, c'est des Pringles, non? On dirait. Ah non, c'est les bonbons qui piquent sur la langue, c'est plus fit. Ah oui. Voilà, c'est tout flou les gens, j'essaie de. Je fais n'importe quoi. Et après, il y a toutes les communes. Donc il y a Babybel, Vachery, il y a Boursin, il y a l'air d'Armeur. Ah ouais, non, mais il y en a plein. C'est trop bien. Mais là, faut qu'on ait des trucs stylés. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment fat? Donc là, c'est les communes, je dirais, fromage salé, il y a Signal, il y a dentifrice, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Est-ce qu'il y a des céréales? Buitoni? Je sais pas, des pizzas surgelées. Ça, c'est des. Vous connaissez, c'est ouais, les pâtes. Les barres de cacahuètes. Et en bonbon, il y a des choupa-choups. Oh, il y a un pèse en mode comme ça. Il y a des burgers en canette, je sais pas trop ce que c'est. Des Airheads, des choupa-choups. Et des manteaux, carrément. Des paquets de manteaux. Bon, faut qu'on cherche. Et après, il y a tout ça en fait, tu peux faire des rayons. En fait, avec, je peux créer vraiment des rayons en fait. Ok, donc l'objectif, c'est d'avoir une méga rare, les gens. On sait à peu près ce qu'il y a maintenant, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Allez, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Moi, je veux un dentifrice. Oh, Mentos. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop mignon. C'est complètement idiot. Mais c'est trop bien. Bien. Donc, le petit Mentos, le poivre, le RED qui est trop stylé. Voilà. Là, Mentos. C'est bon. Voilà. Là, comme ça, on a pas mal le truc. Et le dernier. Allez. Est-ce qu'on peut se faire à manger ce soir? Oh. C'est on l'a pas. Oh, c'est trop bien, c'est des sortes d'Oreo à moitié. Oh, Moon Pie. Donc peut-être que ceux qui habitent aux États-Unis connaissent. Oui, au Canada. Peut-être au Canada, parce que c'est souvent les produits qui sont importés, ou peut-être que ceux qui importent des produits comme ça. Eh bien d'accord, c'est très stylé, franchement, on a eu deux qu'on connaît bien. Hein, voilà, bon, toi, ce soir, tu manges du poulet avec des mentos et gâteau Moon Pie, une tarte lune. Franchement, c'est bien fait, hein. C'est marrant, bien on dirait vraiment qu'il y a le bon moment. Ouais, c'est ouf. Bon, c'est à moi d'ouvrir. Ouais, vas-y. Est-ce que je mets ce que j'ai eu dans le caddie? Oui, vas-y. Voilà. Donc, on fera une photo des gens avec le lapin. Qui fait ses courses. Qui fait ses courses. Il choisira ses produits. Avec le caddie. Et on verra ce qu'il préférera. Donc pareil, 5. En quartier. Ouais. Si tu veux, je peux dézoomer un peu. On va peut-être trop zoomer. Je ne savais pas trop en fait. Et là, on ne s'enlève pas. Si, c'est pareil. C'est un truc en gomme. Ah oui, bon. Hop, on enlève un par un. Alors, allez. C'est parti. Il faut une vache qui rit. Moi, je veux une vache qui rit. Moi, un babybel. Un dentifrice. Si, il y a un choupa choups, c'est un dentifrice. Oh non! Oh! Une pizza! Pizza surgelée! Good for us. Donc, ça, c'est vraiment des petites boîtes en carton vide. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui en ont plus de. De travail que d'autres. Genre, les manteaux, c'est un peu plus travaillé qu'une boîte en carton. Pizza! Oh, bah des. Ah, c'est pas les mêmes! C'est pas les mêmes! On a des manteaux bleus. Yeah! Et blanc! On a la devanture de magasin, c'est bon, on va pouvoir faire un stand de manteaux. Franchement, c'est trop mignon. Bah, c'est stylé parce que. Tu peux les ouvrir? Non, je crois pas. Non, c'est vraiment. Non, ok. C'est vraiment des miniatures. Je vais me casser les ongles. Bah, c'est pas mal quoi, c'est stylé. C'est pas mal. Et il y en a d'autres aussi, il y a les mini toys. Oui, ou c'est des jeux de société. Oh! Ah, bah, le spam! C'est quoi du coup? Alors, c'est quoi du coup ça? Parce que pour tous ceux qui connaissent. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, on dirait de la viande. 50% mais... de calories, bah, c'est... en fait, c'est des cubes de viande. Ah, c'est horrible. Ça a l'air horrible. Bah, je mange pas ça. Moi non plus. Allez. Mais c'est la version light, donc du coup, elle est moins grasse, c'est pour ça. Mais c'est sur le genre, moi, je mange pas. Non, mais moi non plus. Je préfère encore manger de la viande vegan. Oh! C'est trop mignon. C'est de la mayonnaise? Non, c'est du garlic power, c'est de l'ail. C'est bien, c'est des petits trucs d'ail. Bah ouais. Mais attends, mais non, mais c'est en maillot, en sort de tube en fait. C'est une blague. Mais c'est quoi? C'est un tube d'ail. C'est un peu chelou, hein. C'est un peu chelou. C'est marrant. C'est un peu bizarre. Alors, allez, vas-y, le dernier. Donc là, tu as le papier avec. Normalement. Ouais. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop bien. C'est du jambon sec. C'est marrant. Non, mais c'est énorme. C'est comment? Ah ouais, du coup, c'est une plaque en plastique dur. Ouais, ah oui, t'as un petit revêtement dessus pour faire l'effet. Franchement, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Hein. Bah, franchement, non, ça fait son petit effet. Mais c'est ouais, marrant. Des ouf, c'est marrant si vous avez des photos à faire avec, je sais pas, un lapin. Mais en miniature, un lapin non, mais ou en un miniature. Truc je en miniature. Le lapin, il mange du jambon séché. Mais non, mais tu le mets à côté pour faire des photos, c'est trop mignon. On avance nos courses. On avance, hein. C'est pas mal. C'est trop mignon. Vas-y, je vais essayer d'y aller ultra vite pour ouvrir ça parce qu'en fait, c'est dur d'ouvrir. Oui, ça, c'est dur, ouais.
Hop. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il y en a un qui a un petit truc. Ok. Oui. Toujours la petite mais orange. Mais c'est trop mignon, on commence à faire le packaging est marrant, ouais. Ouais. Le packaging est marrant, les petits objets sont marrants. Nous, ce qu'on veut, c'est des marques un peu plus européennes. Européennes. Qu'on connaît, quoi. Ça, tu vois, c'est dur, c'est en plastique. C'est en plastique. Ça aussi. Ça en aussi. Plastique. Ça aussi. Et peut-être carton. Carton. Donc ça, c'est que des trucs en plastique, c'est bien. Parce que du coup, c'est moins cheap que le carton, ceux qui sont juste les boîtes en carton. J'espère qu'on n'aura pas trop de double. Oh, du chili-con carne. Yeah. Oh, ouais. C'est trop bien. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça trop mignon. Et donc, c'est des marques qu'on connaît pas parce que c'est américain, oui. Mais c'est des vraies marques. C'est vraiment oui, une marque, quoi. C'est ça. C'est ça qui est stylé. Ça te c'est la pas... Oh. Oh. Oh, j'ai un or. J'ai un pèse en or. Wow. C'est juste un des plus rares, je te jure. J'ai regardé. Il est énorme. Il est trop il est bien. Non, mais c'est un des plus rares de l'extension. C'est vrai. Je te jure que les gens, ils achètent ça sur eBay et c'est la seule qui se vend vraiment. Et c'est une c'est des toutes premières. Ouais, ouais. Oh, on a eu un pèse en or. Mais attends, mais il est un peu lourd. Hein. Elle est trop belle. Il est en plastique, mais bien compact, quoi. Il est trop bien. C'est le premier en or. Ouais, c'est le 002. Ah, on a eu un gold. Trop bien. Ouais, c'est vraiment pèse, quoi. Bien c'est marqué pèse. Ah, yeah. Bien joué. Ah, je pensais pas qu'on en aurait un or, moi. C'est trop bien. Bah ouais. Bah non, c'est plus rare. C'est trop bien. Bah surtout pèse, c'est pèse. Bah pèse, ça, on connaît. Du coup, il faut qu'on ait le truc commun qui va avec, parce que regardez, on a eu le gold, donc si rien, ça serait le Babybel ou le Mentos d'or, ça serait marrant. Babybel, ce serait mieux. Le Babybel, ce serait cool. Et ce qu'il faudrait avoir, et qui est vraiment très très cool, en métallique, bah par exemple la VHK, mais sinon ce qui serait très cool, très 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 cool, je le répète, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a l'étui des choses que tu remplis le pèse. Oh, c'est énorme. Donc le petit carton avec les... Je sais pas comment c'est fait. Bah il faut qu'on l'ait. Oh, je suis trop content, j'ai eu un gold. Mais oui, c'est trop c'est bien. Trop bien. Bah c'est trop cool. Bah c'est pour ça les packaging c'est toujours bien en fait. Oh. Oh, c'est un truc qui fait qui pique. C'est oui, les a vus aux États-Unis, ouais. Tu sais, c'est les Warhead ouais, et en c'est gros c'est des vers de terre qui piquent. Ah non, c'est des vers de terre. Ça c'est vers de terre. Donc il y a toujours un truc. Des sucettes aussi, des trucs qui piquent. Ah, j'ai un truc sucré moi. Des trucs sucrés. Attends, t'en as ouvert que deux ? Non, trois. Trois, il en j'ai ouvert l'autre. Ça c'était le plus léger, donc après c'est du plastique. Allez, du lourd. Ah, du spa. Oh non, c'est même. Une double. Ah non. Ah non, c'est pas la même. Sans c'est avec moins même. De sel, 25% moins salé. Donc c'est pas la même c'est que la, même. La light. Donc on prend. On complète. On complète, même si on fait. Ah bah, si on fait la collection, hein. Ah. Ah bah, c'est, ah, bah, c'est un du bon teint. Épices, non, mais c'est du teint, non c'est ouais, du c'est teint. Du teint. C'est. Et franchement, c'est bien fait parce c'est que on dirait vraiment fait. Qu'il y a une surface en fait. Mais on oui. dirait qu'il y a un effet plastique et que c'est vraiment l'intérieur. Oh, le pèse d'or quoi. Le pèse d'or, non mais c'est. Ça ouf. C'est très cool. Ouais. C'est donc ouf. Vraiment avec le petit truc, mais il marche pas. C'est trop bien. Ah, oh, c'est trop bien. On a eu un pèse en or. Bien joué. Donc on a eu les plus rares. Bah, objectif, c'est Babybel quoi. Un Babybel oui, pas un rare, Babybel. Mais. Ou une vache qui rit quoi. Allez, Babybel, vache qui rit. Regardez, j'ai ouvert 100 lettres de millions. Bah, je pense qu'on va en ouvrir 6. Ouais. Comme ça, on ouvrira la moitié de la boîte. Et si jamais ça vous plaît de ouf, on ouvrira. Ouvrira je sais pas si on rachètera d'autres parce que c'est assez cher pour oui. ce que c'est. Ah, on a payé une blinde, hein, les gens. Mais on va. Mais non, on mais va faut pas faire de pub. C'est pas de la pub, mais on sait qu'il y en a en France et c'est chez Claire. Sauf que c'est 15€ la boîte. Et tu fais. 15€ de la boule. Juste la boule. La et de. Nous on a payé un peu moins cher, mais on a quand même payé assez cher. Ouais, mais comme on a une boîte complète avec oui. le présentoir, ouais. dans le présentoir il y a les exemplaires les de démo, ouais. donc on a trois. Il y a le manteau bleu d'ailleurs qu'on a en double. Oui. Oh, j'ai eu un pèse en or. Alors, c'est marqué. Je pèse dans le game. Oh, c'est des petits oh, gâteaux. Mais non, c'est des trucs que. Ouais, oui. les gâteaux roulés où dedans t'as de la framboise ou tout comme ça. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Vas-y, moi je vire tes trucs là. Articroll. Ah, vas-y, attends. Plastique. Plastique. Ah, ah, carton, bah ouf ça. Ah bah, méga carton là. Ouais, non, c'est le fascicule, avec un autre truc à côté. Okay. Ça, je dirais, c'est le carton. Donc le mieux, c'est ceux qui sont en plastique, je pense. Oh, ah bah non, mais c'est trop mignon, c'est quoi? C'est une boîte de conserve de... Blue Diamond. Ah, d'amandes salées. C'est des amandes. Ah, et celle-ci, elle existe en gold, hein. C'est vrai? Oui, celle-ci, le Blue Diamond, j'ai vu, y a, en gold, il y a les deux pèses, il y a un Babybel. D'accord. Il y a le French Moutard. Mais des amandes. Il y a le Mentos et il y a les amandes. Hop, on continue nos courses. Donc là, les trucs. Allez, du lourd. Un Babybel en or. Ah oh, lulet de coco, les gens! Lulet de coco! Regardez, c'est presque. C'est même. Attends, mais c'est le même distributeur, c'est sûr. Bah oui, t'as vu le packaging? Yeah! Non mais, pour faire le woke et tout, c'est bien. Non mais, on a assez bon. T'aurais pu sortir le teint aussi, si tu voulais. Ah ouais, je vais sortir le teint. Ouais, mais ça, c'est marrant, c'est exactement la même boîte. C'est trop bien, c'est la même boîte. C'est trop bien.
Ça, du lait de coco. C'est pas le même distributeur, mais du coup, c'est la même chose. Je pense que c'est. En vrai, je pense que c'est la marque c'est la change ouais, par rapport au pays. Au pays. Pour pas que ça fasse bizarre ou autre, quoi. Bon, oui, c'est la même chose. Même couleur de photo et tout. Lait de coco. C'est bon, le lait de coco. Beurre de cacahuète, c'est trop bien. Donc ça, pareil, je crois que ça existe en France, mais pas sous la même marque. Non, mais ça s'appelle. Oui, c'est dans les rayons, ouais, mais c'est pas Skippy, c'est autre chose. Ou alors c'est peut-être Skippy, je sais pas. C'est peut-être Skippy. Hein. Ou alors c'est dans les rayons import. Ah oui, dans les rayons import. Ah, c'est donc, trop bien. La pâte à tartiner. Peut-être que ça vous connaissez parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment bien. Aujourd'hui, je mange du lait de coco avec des amandes et moi j'ai. Bah c'est pas trop mal. Est-ce que tu vas finir avec un bonbon? Un paquet de bonbons. Ah, un paquet de bonbons. Ah yes, ah est-ce que c'est le même? Ah, c'est non, pas c'est le pas même. Le même. Donc ça, c'est extrêmement acide. Ça, c'est les worms, c'est les vers de terre. Et je vais juste vérifier combien il y en a. Sucré. Bah là, pour le coup, t'as que du sucré, ouais. C'est ouf. Et on a toujours pas eu de l'air d'hameur. Hein. Non, on a pas eu de l'air, mais on a pas eu de fromage. Alors... Mais on a déjà tout ouvert, mais attends. Mais non, mais c'est comme ça, c'est pour faciliter. Je sais même pas où il est le truc. Oui, j'attends. Mais c'est pas possible, ça. Kim, elle est impatiente, en fait. Oui. Elle va avoir un pèse en or aussi. Moi aussi, je vais avoir un pèse en or. Non, un Babybel. Non, un Babybel, ouais. Donc, ça, je dirais, c'est du carton. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le carton? Bertrand, on peut avoir les pèses dans le carton. En tout cas, pour l'instant. Oh, c'est une soupe de. C'est une soupe de poulet. Mais non! Ça doit être ignoble. Au poulet, normalement, c'est qu'aux légumes, ces trucs-là, non? Oh, bleh! Ouais, c'est moins cool que les bonbons. Hein. C'est moins cool que les bonbons, tout ça. Hein. Oh mon dieu! Ça, c'est le fascicule. Allez, on garde. La prochaine fois qu'on veut. Eh, on garde tout, la prochaine fois qu'on veut. Oh, on garde tout et la prochaine fois qu'on voit. Non, mais on a eu un double. La prochaine fois qu'on on achète le même en grand. Le même en grand. Tous, de tous. Sauf qu'on ira aux États-Unis dans 10 ans. Oui, voilà. Oui, oui. Regardez, on a eu un double. Ouais, mais en même temps, il fallait bien au bout d'un moment. Mais après, il y en a 100 quand même. Oh, soupe à choux. J'ai eu un seau de soupe à choux. Vous savez, c'est les gros seaux de la mort où il y a plein de sucettes dedans. Yeah, soupe à choux. Tu vois, t'as du salé aussi. T'as du sucré. Celui-là est tout petit, celui-là. Allez, dépèse. Oh! Oh non! Oh! Oh! Je crois que c'est de la brosse à dents. Ah! Du dentifrice! Ça, c'est pour toi parce que tu viens de manger plein de bonbons. Voilà. Du dentifrice. Sérieux? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et le dernier, non pas des moindres. Oh! Du sirop? Du sirop. Du chocolat. Du sirop d'érable. Bosco. Oh, du chocolat. Du sirop de chocolat. Bah, c'est un peu comme. Ce que tu mets sur ça. Les. Non, c'est ah, non, plus c'est du sirop. Opaque que tu mets sur les. Les pancakes. Ouais, voilà, mais tu sais, le truc est un peu visqueux. Oui, je vois, c'est ouais. C'est pas très je bon, vois, quoi. Le faux chocolat, quoi. Voilà. Ouais, j'ai des choupa choups, ça c'est bien. Ah, c'est pas mal. Choupa choups. Allez, les gens, il faut qu'on. Non, mais un l'air d'hameur, Babybel, ouais. Vache qui rit. Mais non, mais du fromage. Juste... Là, on a ouais, fromage. Un fromage. On a allez, un seul fromage. Un fromage. C'est bon le fromage en plus. À moins qu'on ait dans ah, le. Il y en a qui kiffent pas le fromage, ouais. On ouais. Est sûr de ça. Après, en vrai. Et après, bah, on dira ce qu'on ouais. Préfère dans tout. Ok. Bah, le pèse. Mais non, mais ce qu'on préfère manger. T'as pas secoué. Ça, c'est le facile. Ouais. Vas-y, ouvre-le, c'est toujours un petit truc. Oh ah, des waffles. C'est des waffles de patates. Ah, mais ils mangent des trucs bizarres, les Américains. Pour le petit déj, tu mets ça avec un œuf, je pense. Ah, des gaufres de patates, quoi. De. C'est décevant. Ouais, à la limite, ça aurait été des égaux, là, comme dans... Ah, ça, c'est un petit. Oh, c'est bon. On a eu le fromage. Non, c'est trop bien. C'est trop mignon. C'est un mini boursin. C'est un mini boursin. Boursin, allez, fin des herbes. Du coup, il n'y a rien à l'intérieur. Ouais, en fait. Ah oui, il y a du carton. Il y a du carton. Pour faire le côté du boursin. J'aime pas le boursin, ouais. Ah si, c'est bon, le boursin. Oui. En tout cas, on avait des sacrées courses, là. Ouais, c'est pas trop mal. Oh là. Lui, ça a l'air moins bien. Ah non, dépèse. Oh. C'est quoi? C'est surgelé. Ah, c'est une tarte aux pommes. Non, c'est un crumble aux pommes. C'est un crumble aux pommes. C'est un crumble aux pommes de tante Bessie. D'accord. Ouais, ça, c'est bon. Connais pas. Aux pommes. Connais pas les gens. Lui, allez, bon. Un lui, truc en or, là. Un truc qui brille, un truc en or. Oh non. Oh non. Oh, oh non, non. En plus, c'est toi qui l'avais déjà eu. Oh non. Ah, deuxième triste. Double. C'est trop après, sur, on en a ouvert 30. Hein. Donc, c'est normal qu'il y ait oui, y ait des doubles. Hein. Oui, ça va être le 30e, là. 30e. Je crois pas que ça soit un truc. Je pense que c'est plus gros. Je pense que c'est... Attention. Un panier, peut-être. Oh. Ah non. C'est quoi? C'est quoi? C'est des oignons frits c'est... Ouais. French cheese. Ah, bah c'est la même marque qui des moutardes.
enfin moutarde. Ouais, moutarde. Ouais, c'est ça, c'est crispy oignon. C'est pour faire des salades en fait. Frites. On a aussi ça. Mais pas cette marque-là. Mais pas cette marque-là. Bon, c'est pas trop mal. Eh, on a eu de la chance avec le pèse en or parce que je vous jure. Je pense, ouais. Je vous jure que c'est rare et qu'il est un petit peu coté. Je sais c'est qu'il est. Ouais. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est dans les 15 euros, je dirais. Ah ouais, quand la même. La petite figurine, donc c'est pas mal, puis ça rembourse tout le truc. Quoi. On en a 5 dans. Je sais que les gens cherchent pour compléter, après c'est un peu compliqué de compléter toute la collection. Moi j'aime bien les trucs aussi. C'est cool. Vraiment trop stylé. Bah c'est stylé parce que. Après c'est dommage, on a pas eu de vache qui rit et tout. Donc si jamais les gens voulaient qu'on aille choper. On a eu du pour ça. Non mais les gens, prochaine vidéo, si vous voulez, si vous êtes chaud, on vous pack de la vache qui rit. Hop, je vous mets tout et le pèse en or. Bah le pèse en or, il pèse. T'as vu, il est lourd un peu quand même. Et puis le caddie. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a plein quand même. Le caddie. C'est vrai qu'il y en a plein quand même. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Moi j'aime bien les pèses. On met tout au milieu et on met dans le caddie. Moi j'aime. Bah non, mais pas le pèse, on va l'abîmer. Bah le boursin. Le boursin c'est bien. Le lait de coco c'est bon. Les mentos c'est bon. Le Airheads. Le. Bah les choupa choups quand même. Les trucs. Bah le jambon sac c'est bon aussi. S'il n'y a pas de nitrite dedans c'est bon. Ouais. Les mentos mais pas à la menthe, c'est pourri. Non, bah il y a quand même du dentifrice. Et le pèse. Et le pèse en or et après on se lave les dents. Voilà. Le best pèse, c'est trop bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Oh, les pauvres amandes, c'est pas oui, les amandes. Aussi. Je vais dire, si vous voulez, l'autre partie des mini brands de... c'est quoi la marque? Zoro. Zoro. Voilà. Donc, il y a une partie 2. Et en fait, je sais qu'aussi, il y a une série 2 qui est sortie. Ouais. Et il y a aussi la série avec les mini jouets. Donc, voilà. Si vous êtes chaud... Bah, faut nous dire dans les commentaires. Voilà, ça nous, dépendra on ira chercher tout ça, parce que c'est un peu compliqué aussi à trouver. Bah, en fait, nous, on voulait un ouvrir. Et on s'est dit, bah, autant faire une petite vidéo, ça va être marrant. Bah oui. Parce que, pour voir à quoi ça ressemble. C'est et en ça. Plus, on a eu la chance, on a eu un pèse en or. Bah non, mais franchement, c'est trop stylé. Figurine en or, les on gens. On a eu la figurine la plus rare. Bah, c'est ça. Après, on aurait pu avoir Babybel en or, mais pèse, mais, c'est, pèse c'est stylé. Donc, les gens, pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. On compte sur vous pour le faire. Et mettre et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!